Allô? Allô? Nous devons parler. Est-ce que tout va bien, bébé? Ce n'est pas quelque chose dont je peux parler au téléphone. Bébé, tu me fais peur. Oh, on en parlera plus tard. On parlera quand j'arriverai là. Je t'en prie, je suis désolé. Je t'en prie, je suis désolé. Ok, au moins assieds-toi, tu es en train de te faire du mal. Non, ce n'est pas assez de me encore trop mal à la tête. Oh mon Dieu. Mon amour, je t'en prie. Non, ne me touche pas. Alors, dis-moi, quand est-ce que tu l'as su? C'est aujourd'hui, je t'ai appelé juste après que j'ai parlé avec eux. Non, mais il y a quelque chose qu'on peut faire. Il y a quelque chose qu'on... Tu sais? Tu as déjà accepté cette situation? Il n'y a rien que nous puissions faire à propos de ça. Oh mon Dieu. Mais comment ça peut le prendre du temps pour nous donner une réponse? Comment? Est-ce que tu sais, ça fait combien de temps qu'il nous fait attendre? Je sais, je fais partie de ça. Souviens-toi, je fais partie de ça. Non. S'il te plaît, va-t'en. Mais non. On peut... Juste comme ça, je veux dire, on peut parler de ça. S'il te plaît, va-t'en, je dois y réfléchir. S'il te plaît. S'il te plaît. Oh mon Dieu, s'il te plaît. Je crois pas. Oh mon Dieu. Chérie, s'il te plaît, reviens. This is gonna take me a while to know that you won't be by my side, that I won't see your face for a while. I know that you're in a better place. I know that I won't see your face again. I know you're smiling down on me, saying everything's okay. I know the journey is far from here, but one day we will meet again. After everything we've been through, now you're just a memory. I will remember, 'cause your face is stuck in my heart. I will remember, you're a part of me. I won't forget. I will remember, 'cause your face. Je sais que c'est si difficile pour toi. Rester avec moi, c'est mieux que tu ailles vivre seule. Je pense que je dois l'appeler. Et dire quoi? Tu sais, le dur de le persuader davantage.
Rappelle-moi encore, combien de temps l'as-tu persuadé? 4 ans. Ok. Non, ce n'est pas comme ça. Dans une année, on est allé le voir. Tu sais, la première année, et ils étaient dans le bon. La réception était tellement géniale. Très bien. Mais cette maman, quand il m'a demandé comment je m'appelais, j'ai essayé de lui dire son numéro était changé. Écoute, je connais toute l'histoire. Je te dis de reprendre ce à quoi tu peux toi-même te rappeler. Mais tu vois, j'ai ça comme si on le persuadait encore davantage. Genre, le pousser encore, ils vont directement changer. Je ne pense pas ainsi. Je ne sais comment, mais je sais que cela va arriver. Comment tu le sais? Docine, écoute. Je ne veux pas que tu sois triste. Ou quelque chose comme ça. Pense à ce problème comme une vacation. Et mets-toi sur le chemin de comprendre. Tu sais, apprends à t'aimer. Si tu veux aller en vacances, oui, tu es libre. À vacances? Mais on n'a même pas l'argent pour ça. Oui, j'approuve, mais nous n'avons pas cet argent. Je suis d'ailleurs heureuse que tu puisses le considérer. Tu sais quoi? Pourquoi ne pas commencer par autre chose? Genre sortir, voir des gens, juste ça. Fais quelque chose d'amusant. Mm-hmm. Si je te disais que je t'aimais, est-ce que j'aurais tort? Oh, je t'aime aussi. Tu iras mieux, je te le promets. Merci. Oh chérie, comment vas-tu? Je ne me sens pas trop bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, mais j'étais en train de tousser et j'étais grippée depuis hier. Oh waouh, tu es au bureau? Non, je suis à la maison, mais je n'ai pas cette envie parce que je ne serais pas permis d'entrer. Ok, mais as-tu pris des médicaments? Oui, j'ai pris Procol. Tu sais, ça aide à baisser la fièvre. Et as-tu aussi de la fièvre? Oui. Depuis hier? Ça fait déjà 3 jours passés. Cependant, je t'avais appelé il y a 3 jours passés. Tu m'avais dit que tu allais bien. Je ne savais pas que ça allait être sérieux. Et j'ai juste... tu sais... Je pense que tout c'est tout et la grippe, c'est juste la maladie. J'irai à la pharmacie après, acheter quelques médicaments. Allô? Oui, je suis avec toi. Mais tu peux me faire une faveur? Fais d'abord un test avant de prendre un quelconque médicament. Me faire examiner? Si je le fais, les résultats sortiront demain. Et cela veut dire que je suis incapable de prendre le médicament. Bien sûr, parce que je ne crois pas que tu es un médecin qui connaît les symptômes de maladie. Tu peux prendre du paracétamol, ça combat aussi la fièvre. Ok. Et maintenant, c'est toi qui es le docteur à mon égard, n'est-ce pas? Écoute, remercie Dieu parce que si j'en avais la possibilité, j'allais venir moi-même là où tu es pour te traiter personnellement. D'accord, maman, j'ai compris. C'est bon. Oui, d'accord, juste essaie. Essaye de te lever pour faire ce test, ok? Ok, je vais d'abord prendre bain et je ferai ce que nécessaire. Je n'ai pas bougé de ce lit depuis le matin. D'accord.
D'accord, merci d'avoir bien pris soin de moi. Ne sois pas trop émotive, ok? Bye. Ok, bye. Je t'aime. Hey, mon Dieu. Salut bébé. Oui. Est-ce que tu vas bien? Non. Ok, qu'est-ce qu'il y a? J'ai toujours été confuse à tout moment que je le voyais. Je suis également confuse. Ils disent que tu es grosse il y a 4 semaines passées. Que feras-tu à ce propos? Je vais garder le bébé, j'y pense. Non, ne dis pas ça. Est-ce que tu es sûre de pouvoir le faire? Mais que faire tandis que le père ne fait plus partir de ma vie? C'est pourquoi je veux savoir si tu vas garder le bébé. J'ai ce qui est là. Je ne sais pas vraiment, pour être clair. Quelque chose à l'intérieur de moi. Mais dis, je me sens comme si je devais garder. Je pense que tu dois parler de ça au père. Ça fait vraiment le temps qu'on ne s'entend pas. Et en possédant de cette manière, je me dis que ce n'est pas juste de mettre un enfant au monde et qu'enfin l'enfant comprenne que la famille de son père n'est même pas du tout. Non, ça peut changer. Tu dois le leur dire. Tu dois le lui dire, ok? Ah. Tu as besoin de lui parler. Tu sais, tu dois t'attendre à ce qu'il pourra dire. Dira avec moi, n'est-ce pas? Deuxi, je ne peux pas te suivre pour aller dire au père de ton enfant que tu es enceinte. Ah. Ok. Je vais l'appeler au téléphone et c'est vraiment la meilleure chose à faire. C'est la meilleure des choses à faire, ok? Écoute, tu n'as pas à t'inquiéter, tout ira bien. Ah! Je n'avais pas prévu tout ceci, je n'avais pas prévu cela. Eh bien, relax, ok? Arrête de trop y penser. Oh Seigneur, ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bonjour, rayon du soleil. Bonjour. Bonjour. Je ne croyais pas te trouver à la maison. D'ailleurs, je ne sais plus si tu étais rentrée avant. Je ne voulais pas déranger ton sommeil. Oh, tu es libre aujourd'hui? Non, mais je peux rester à la maison pour te tenir compagnie. Voyons, ça n'arrivera pas jusque-là. C'est comme si je ressens un peu de malaise aujourd'hui. Mais t'inquiète pas, ça va passer. Ma chère, bien sûr que ça va passer. Beaucoup de femmes ont eu de complications pendant leur grossesse. Et ce n'est pas bien qu'une femme enceinte soit seule. Je ne veux pas t'effrayer par rapport à ce que je dis, ok? C'est bon. C'est bon. Merci pour toutes choses après. Je t'en prie. Ok, j'ai ceci. Mais je vais acheter quelque chose au supermarché quand c'est un peu de boulot pour remplir la maison. Non, pourquoi pas qu'on le fasse nos dés en revenant du travail? Oh oui, c'est une meilleure idée. Pourquoi tu ne pars pas te changer? Je fais ceci et je te conduis au boulot. Est-ce que j'ai déjà fait quelque chose dans cette maison par moi-même? Absolument rien du tout. Ok. Je peux le faire toute seule, ça va.
Mais quelque chose m'a dit que bientôt je recommencerai avec toi. Vraiment? Vraiment? Va dans ce que je cherche dans ça parce que j'ai fini bien ici. D'accord. D'accord. Je t'en prie. C'est qui? Oh, salut. Salut chérie. Bienvenue. Oh, vraiment, merci. Comment a été ta journée? Très bonne. Je vois que tu cuisines. Oui, j'ai décidé de faire quelque chose déjà. Quelque chose du genre? Dis-moi un peu, tu n'es pas allée au bureau? Oui, j'avais un peu des choses à faire, mais je ne l'ai pas encore fini. Pourquoi? Tu as besoin de beaucoup de repos pour ton bébé. Je sais que tu veux bien nettoyer la maison, mais je viens de marcher pour remplir la maison de bonnes choses. Ah, est-il mauvais? Oui, mais tu sais, tu as beaucoup de repos pour tes gouttes. Écoute, tu as pris tes médicaments? Tu sais, à un moment, je mets ça comme si je ne sais pas, mais apparemment quelque chose ne va pas arriver. Crois-moi, tu vas tout expérimenter. Donne-le juste du temps. Et à un moment, je me sens comme si je ne suis même pas enceinte. Tu y es enceinte, ok? Attends, ma belle. Comment tu sais toutes ces choses? Tu n'as jamais été enceinte. Je suis gynécologue, souviens-toi. Oui. Oh oui. D'accord, j'ai demandé juste... Oh, j'allais demander... As-tu appelé Obina? Non. Hier, j'avais essayé. Quand je suis revenue du boulot, mais je n'arrive pas à le faire. Tu sais, tu dois le faire. Le plus vite sera le mieux. Ok? Et si c'est pour aider, je serai là pendant que tu passeras ton appel. Ok, merci. Au moins, quand je finis de préparer. Évidemment. D'accord, je te reviens bientôt. Alors, je pense que tu vas finalement me permettre de sortir. Allez où? Madame, tu dois rester en repos pour toujours. Ok, peut-être que je suis en train d'exagérer, mais tu dois te reposer pour ta maternité. Ah, mais c'est seulement à 3 mois, non? Ah, je ne pleure plus. Et il ne me manque plus, lui aussi. Écoute, je ne vais pas te déranger. Tu n'es pas dans tes états, ok? Tu peux te tromper comme tu veux, mais aucune femme enceinte ne peut être seule. D'ailleurs, tu as une amie qui est gynécologue et elle a plus d'expérience sur l'anatomie. Tu ne peux pas être seule. D'ailleurs... Très bien compris. Ok alors, je dois juste me reposer un peu, d'accord? Tu sais quoi? Et pourquoi tu ne t'aimais pas? Assieds-toi. Non. Juste relax. C'est moi qui ai commencé je à te préparer. Je refuse de le faire à place, ça suffit. D'accord? Attends. Je suis en train d'appeler, ça sonne, mais il ne décroche pas. Qui? Ah, ok, je vois. Rappelle-lui, comme ça, on va en parler. Allô? Tosin! Waouh, c'est bon de t'entendre à nouveau. Comment vas-tu? Oui, je vais bien. Et toi, comment tu vas? Ah, la vie va beaucoup mieux, en tout cas. Je veux qu'on se voie pour qu'on discute. Quelque chose. Je ne suis pas à la maison. Est-ce quelque chose dont on peut parler au téléphone parce que je ne suis pas au pays actuellement? Oh, tu as voyagé? Oui, je suis au village. Mon mariage coutumier aura lieu demain. Allô, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Ok, je pourrais prendre du temps avant que je ne puisse revenir. C'est quoi? De quoi est-ce que tu voulais qu'on puisse parler exactement? Je voulais parler de toi à propos d'un document. Mais comme tu n'es pas là, je préfère aller voir le directeur.
Et je te souhaite bonne chance pour demain. Ok, bye bye. Merci. Au revoir. Ok, bye. Qu'est-ce que c'était? Il va se marier demain. Et alors quoi? Je ne peux pas lui parler pour la grossesse. Ça va détruire toute chose. Cela va ruiner la cérémonie du mariage. Hey! Et tu sais, quelqu'un qui fait son mariage demain, cela veut dire qu'il avait déjà payé la dot il y a longtemps. Je ne peux pas faire ça à une autre femme. Donc tu t'es fait ça à toi-même. Tu t'infliges ça vraiment toi aussi. Écoute, une mère célibataire est un grand fardeau. Réfléchis et reviens là-dessus. Tu n'étais pas supposée me soutenir. Bien sûr que je serai de ton côté. Mais tu dois dire à cet homme que tu portes son enfant. Ah, je ne peux pas. Pourquoi? Il y aura des problèmes et des drames qui suivront. Je ne peux les supporter. Je ne suis pas prête pour ça. Je ne suis pas prête pour ça. Et mon bébé n'est pas prêt pour ça. Et d'ailleurs, ses parents, sa famille ne veulent pas de moi. Ils ne veulent pas de toi, mais ils peuvent changer leur cœur. Non, ma belle, je fais le pire. Je ne peux pas les voir. Je ne peux pas les supporter. Je ne peux pas. Est-ce que tu comprends? Ses parents vont m'accuser de... utiliser cette grossesse pour ruiner la vie de leur fils. Et même si je le disais, ils ne vont pas accepter cette relation dans des conditions pareilles. Je ne peux pas les voir. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, d'ailleurs, c'est la meilleure chose à faire. Ils ne savaient pas que j'étais en train de les chercher. Alors, j'ai décidé de prendre soin de moi-même. Et ça reste ainsi. Jésus. D'accord, d'accord, viens ici. Arrête de pleurer. C'est bon. C'est bon, on va faire ça petit à petit. Qu'est-ce que je fais? Arrête de pleurer. Ça va aller. Ça va. Je ne peux plus. Tu sais quoi? Faut aller dormir. Days and lonely nights, I've tried so hard to understand why my life is filled with lies. Is it something I did wrong? I know what I'm feeling right here without you, 'cause I've built my world all around you. Living my life without you is like a night without the moon. Like my reflection, you're me on the other side. Yeah.
so hard to understand why my life is filled with lies. Is it something I did? I know what I'm feeling right here without you, 'cause I've built my world all around you. Living my life without you is like a night without a moon. Like my reflection, you're me on the other side. Je ne sais pas, mais j'ai une forme du tout. C'est là, ça fait déjà des jours passés. Je ne voulais pas te déranger, raison pour laquelle je vais prendre soin de moi-même. Merci. Comment as-tu su que j'avais besoin de... Parce que tu tousses. Oui, j'étais en train de tousser. Est-ce que tu vas bien? Oui. Tu ne souris pas.
Ça ne s'est pas encore apaisé? Oui. Merci. Ok. Désolée, as-tu pris des médicaments? Oui, je l'ai pris, mais ça fait rien. Mon estomac est en train de brûler. Allons à l'hôpital. Et où est Odou? Il est toujours à l'école. Eh, mon Dieu, il est temps. Tu peux m'aider à aller le récupérer, s'il te plaît? Non, non, non. S'il te plaît, je t'en supplie. Je vais aller le prendre, ah, ok? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Quoi? Bonté divine. Je suis sur ma route. Oui, oui, je suis sur ma route. J'arrive maintenant. Oh mon Dieu, tu sais quoi? Je suis sur ma route. Mais je vais aller prendre son fils. Docteur, comment va-t-elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi. Ton amie était déjà réveillée il y a 2 heures passées, mais elle était toujours en train de réfléchir. J'ai une question pour toi. Est-ce que ton amie fume? Non, elle ne fume pas. Si j'ai posé cette question, c'est à cause de ce qu'on a trouvé dans le test. J'ai pensé que c'était son cœur. Mais ce n'est pas du tout son cœur. C'est vraiment trop dur. Ok. Nous avons pu faire notre test. C'est plus prudent de le dire. Ton ami a un cancer. Cancer de poumon? Oui, comme je le dis, nous avons fait notre... Nous avons envoyé des examens partout et cela nous est revenu avec le même résultat. Comment? C'est la raison pour laquelle je te demande si elle fume. Elle n'a jamais fumé. Bien, il y en a d'autres facteurs qui peuvent contribuer. Oh, faites tout ce que vous pouvez pour elle, s'il vous plaît. Nous devons commencer avec le traitement général. Nous devons commencer avec la thérapie. Nous devons nous assurer qu'on a le diagnostic du cancer tout au long de cette région. Et nous devons procéder. Comme étant un traitement progressif, il y a d'autres facteurs. Mais la meilleure des choses à faire pour le moment est de ralentir le cancer. Docteur, faites tout ce que vous pouvez pour elle, s'il vous plaît. Je suis là. Tout ce que vous allez remarquer, dites-le-moi. Je le ferai bien. Il faut que tu te calmes. Pourquoi tu me regardes comme ça? Et tu es en train de pleurer. Pourquoi ne pas le faire? Ne te dérange pas, je vais m'en sortir. Il y a beaucoup de choses que tu m'as cachées. Tu y as accumulé beaucoup de choses pour être hospitalisée. Je laisse l'enfant à l'école tous les jours. Et je dois tout tenir pour prendre soin de toi. Je dois me battre et travailler.
C'est trop pour porter. Je suis désolée. Je suis désolée que tout ceci retombe sur toi. Je ne le fais pas exprès. Et ne t'inquiète pas. Très bientôt, tout ira bien et les choses retourneront à la normale. Je te dérange. Tu commences le traitement. Comment penses-tu que les choses reviendront à la normale? Tu as insisté de ne pas parler à son père. Pourquoi? Non, il est marié. Je sais. Mais c'est son père biologique. Et il a l'obligation de savoir qu'il a un enfant. Et honnêtement, il peut nous aider. Je vais y réfléchir. Oh, ma chérie, ne pleure pas, ok? Ne pleure pas. Je ne m'en plains pas, ok? Tu iras bien. Je ne m'en plains pas. Ne pleure pas. Désolée. Ok, ça va. Merci. C'est trop dur. Voilà, c'est son poumon. Et ça, c'est le développement du cancer. Nous devons vraiment très vite l'intervenir. Alors, je dois parler avec son mari. Nous avons d'autres gens à sauver. Je peux le signer. Le mari n'est pas disponible pour l'instant. Et vous pouvez commencer. Ok, pas de problème. À plus tard. D'accord, merci. C'est en train de sonner, mais il ne décroche pas. Essaie encore. Alors? Salut, Tosin. Comment vas-tu? Ça fait très longtemps. Je vais bien. Comment tu vas? Es-tu sûr que tu vas bien? Oui. S'il te plaît, pouvons-nous nous voir? J'ai besoin de discuter de quelque chose avec toi. Là, tu commences à me faire peur. Nous pouvons juste nous voir. Parce que tout ce que je veux discuter avec toi, ce n'est pas une conversation téléphonique. Tosin, qu'est-ce qui se passe? Je n'apprécie pas le son de ta voix. Tu sais, si je peux venir là où tu es, je peux, mais pour le moment, je ne peux pas. Mais je peux t'écrire l'adresse et tu peux venir ici me voir. Que veux-tu dire? J'ai un cancer. J'ai souffert d'un cancer et c'est la sacralise trop vite. Je pense qu'il y a une autre chose que tu dois savoir. Oui, vas-y, je t'écoute. Nous avons un fils ensemble. Allô? Envoie-moi l'adresse. Je vais t'envoyer l'adresse bientôt. Allô? Donne-moi, je vais l'écrire l'adresse au lieu de perdre le temps. Je réfléchis sur les raisons pour lesquelles tu m'as caché ça, mais aucune d'elles n'est valable. Deux parents, je ne veux qu'on soit mariés tous les deux. Et en plus, quand je suis que j'ai porté ton enfant, tu es dirigé à marier. Tu sais, à un moment, je me demande comment tu étais capable d'avancer très facilement. Je t'ai appelé à plusieurs reprises, tu n'as pas répondu. J'étais allé chez toi, on m'a dit que tu avais quitté là-bas et à ton travail de même. Et là, mon père est mort. Ton père? Exact. Désolé. Il est mort 2 semaines après notre séparation. Le mariage était une histoire d'entente, de mariage. Et j'ai été couronné juste après. Et pour que je sois couronné roi, il me fallait avoir une femme.
C'est déjà le passé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bosser. Oui. Je t'en prie, emmène-moi voir le docteur. Ça fait combien de temps qu'elle est restée comme ça? Honnêtement, je ne sais pas. Son cœur est détruit. J'avais insisté qu'elle continue à habiter avec moi. Elle m'avait dit non. Heureusement qu'elle avait deux business pour louer un appartement. Mon esprit est tourmenté. Toutes ces années, je n'ai pas été là pour elle. Elle doit avoir vécu l'enfer. Ne lui ai-je pas manqué un peu, ne serait-ce que pour me joindre? Non, je... Oui? Franchement, je ne sais pas si tu lui manques ou pas, je ne sais pas. Tu aurais dû la convaincre de m'appeler, ou mieux encore, tu aurais pu m'appeler toi-même. J'ai essayé, ok? C'est ce que j'ai fait. Hein? Heureusement que ceci est arrivé pour que le docteur demande à toi. Le docteur m'a demandé moi. Pas nécessairement. Elle l'a demandé à son mari. Écoute, elle n'a personne d'autre. Elle ne sort avec personne en ce moment. À part. Et tu l'as éloignée comme ça de moi? Elle ne voulait pas amener de problèmes dans ta famille. Elle ne voulait pas détruire ta famille, c'est tout. Écoute, je l'aime vraiment. Et j'aurais pu laisser absolument tout ce que je faisais pour être avec elle. Ce n'est pas exactement ce qu'elle voulait. Elle ne voulait certainement pas que tu ailles en guerre avec ta famille. Elle ne voulait pas, elle t'aime beaucoup. Penses-tu qu'elle m'aime encore? Est-ce que tu l'aimes encore? Je n'ai jamais cessé de l'aimer. C'est par où jusqu'au bureau du docteur? Docteur? Bonjour docteur. Merci, merci infiniment. Docteur, j'ai entendu dire que vous me cherchiez. Quelle est l'évolution du traitement du dossier? Je vous prie, j'aimerais que vous fassiez tout ce qui est possible afin qu'elle aille beaucoup mieux. Peu importe ce que cela va coûter, l'argent n'est pas le problème. Donnez-lui juste le meilleur traitement possible. Pas de problème. Bienvenue. Je vous prie, faites tout ce que vous pouvez. Je le ferai. Merci. Oui, pourquoi oui. Pourquoi tu as l'air inquiet? Non, je n'ai pas l'air inquiet. Je ne le suis pas. Veux-tu que je trouve quelque chose à manger? Non. Je ne vais prendre rien du tout. Je vais bien. Tu ne penses pas que je te prends assez du temps? Non, ce n'est pas le cas. Oh, Bina, tu es mariée. Et tu es le roi. Ta famille et ton royaume ont besoin de toi. Tu es ma famille aussi. Obina, tu dois partir et parler un peu avec ta femme. Est-ce qu'elle connaît où tu te trouves? Pas vraiment. Elle sait bien que mon amie est malade. Mais elle ne sait pas qui est en réalité cet ami. Mais est-ce que le courant de notre fils? Je crois que je vais lui parler de ce problème après que je t'ai vu. Mais tu sais, tu dois rentrer à la maison pour discuter un peu avec ta femme. Comme je l'avais bien dit avant, mon ami sera là bientôt, une fois qu'elle sera là.
Elle va prendre soin de toutes choses et elle va s'occuper de tout. D'accord. Et toi, tu dois rentrer à la maison. J'ai l'impression de me rattraper de toutes ces années que j'ai perdues. Juste pour une journée. Une simple aide. Tu m'as vraiment manqué. T'en fais pas, je suis là maintenant et je n'irai nulle part. Obina. Oui. Je ne réponds pas au traitement. Je sais. Le docteur me l'a dit. Mais le docteur a également dit que tu récupères jour après jour, alors. Je pense maintenant que puisque je suis ici, tu iras encore mieux. Et tu vas guérir. Tu m'as manqué pour de vrai. Je serai toujours ici, je n'irai nulle part, ok? Souviens-toi ceci. Je t'aime, ok? Et ce qui te dérange, me dérange aussi. Ok? Ok. Bon après-midi. Bon après-midi. Mon Dieu. Est-ce que tu me connais? Oui, maman m'a parlé de vous et Tanti Bossé a dit que tu venais. Est-ce que je t'ai manqué? Oui. Mon Dieu, parle-moi de l'école. Tu es en quelle classe maintenant? Deuxième primaire. Deuxième primaire. Est-ce que tu aimes ton enseignante? Oui, mais parfois je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas parce qu'elle dit souvent, si vous ne vous taisez pas, je ferai sortir mon fouet. Son fouet est tellement lent, mais il frappe toujours avec. Non, ce n'est pas toi, mon fils, ce n'est pas toi. Alors, est-ce que tu as un meilleur ami? Parle-moi un peu de ton meilleur ami. Oui, il s'appelle Michael. Il est de ma classe, nous avons le même taille et il aime souvent jouer avec moi. Merci beaucoup de l'avoir gardé, j'apprécie beaucoup cela. Avez-vous un meilleur ami? Oui, ta mère était ma meilleure amie, avant que Tantine Boss ne vienne me la ravir complètement. Quoi? Mais nous pouvons aussi devenir meilleurs amis. Et je peux aussi devenir ton meilleur ami. Je veux simplement attirer à Michael que nous avons un nouveau ami. J'apprécierais beaucoup cela. S'il te plaît, viens manger. J'apprécierais cela. Il n'a pas encore mangé. Viens, je crois que tu as faim. Peux-tu me nourrir? On va faire ceci, ok? Tu vas laisser Tantine Boston te nourrir pendant que je vais nourrir maman. Ok? D'accord. Bon, c'est allons-y. Bien. Super, je le mets ici. Je reviendrai plus tard. Ok? Écoute, s'il y a une quelconque évolution, appelle-moi. Même si c'est juste pour entendre ma voix. N'hésite pas. Ok. Bien. Allons-y avec un pas après l'autre. Tout ce que je sais, c'est que elle est devenue un membre de la famille. Et dans ce cas, elle commencera à venir de temps en temps. Et qu'en est-il de nous, moi et l'enfant? Ils auront un autre demi-frère et tu auras un demi-fils. Et l'amie de sa mère viendra vivre ici. Et elle est une très très bonne femme.
T'entends-tu parler? Juste comme ça? Que puis-je donc dire d'autre? Pour l'instant, sa maladie est permanente. Est-ce que tu en as parlé avec maman? Je te le dis à toi, je lui dirai plus tard. Allô? Comment vas-tu aujourd'hui? Donne-lui le téléphone. Hey, champion, comment vas-tu? Ça va? Pourquoi est-ce que tu déranges ta mère? Pourquoi est-ce que tu veux me voir? Ok, je viendrai te voir. Tu vas bien à présent? Vas-tu maintenant manger ta nourriture? Redonne le téléphone à ta mère. Hey. Il dit qu'il ne croit pas que je vais venir. Ouais. Hé, hey, même mon garçon n'a pas mangé. Surtout n'ose pas me dire que tu as perdu l'appétit. Pas de mais, pas de mais. Je te parlerai plus tard. Prends bien soin de toi, ok? Tu es donc en train de rentrer? Exact. Mon garçon n'a pas mangé depuis. Es-tu obligé d'aller vers lui à chaque fois qu'il ne mange pas? Exact. Ils sont ma famille aussi. Tu ne peux continuer à être partagé. Tu as une famille. Ils sont ma famille eux aussi. Je n'ai pas pu faire partie de la vie de ce garçon et je peux seulement imaginer comment est-ce que... ce que ça coûtait à sa mère de l'élever jusqu'à ce niveau. Et le moins que je puisse faire... le moins que nous pouvons faire, c'est de nous inquiéter pour eux. Essaye d'y penser un peu. Va préparer les enfants. Ils vont aller voir leur grand frère. J'espère qu'ils ne verront rien de mal dans ça. Pourtant, tu ne nous amènes nulle part avec les enfants. Tes enfants. Nos enfants. Vas-tu aller les préparer ou bien tu veux que je donne une instruction pour qu'on puisse faire cela? Bien. Thank you.
Je ne vous ai pas vu quand vous veniez. Je ne savais pas que tu allais venir avec ta famille. Eh bien, c'était une décision inattendue. Comment vas-tu aujourd'hui? Je tiens le coup. Je suis désolée pour ta santé. J'en ai appris un peu beaucoup. Oh, vraiment? Merci. Reste juste positif. Ça ira. Je peux bien. Elle sait Watosin, mais on l'appelle Tosin. Et voici Adiezé, ma femme. Très heureux. Autant que moi. Voilà Adana, ma petite fille. Et voici Kenna, mon garçon. Oui. Mon champion, regarde, tu as un frère maintenant. Oh, il est mignon. Papa, mon frère, peux-tu venir avec moi? Bien sûr, c'est pourquoi ils sont ici, tu vas les apprendre. Ok, c'est bon, je crois que je vais vous laisser. Oh, s'il te plaît, laisse-moi t'y conduire. Oh, ok, prends soin de toi. Voilà, c'est bien. Ok, vas-y, mon garçon, mets-toi sur lui, d'accord? On va parler un peu. Salut. Est-ce que le docteur t'a vu aujourd'hui? Bébé, mon bras, s'il te plaît. Bouge. Oh mon Dieu, tout ça. Je suis vraiment désolé. Désolé. Je suis vraiment désolé. As-tu vu le docteur? Oui. Elle suggère, tu sais, de me laisser partir. Elle a dit que je peux commencer à revenir pour la vérification. Je pense que c'est une bonne idée. Je crois que tu seras en sécurité ici. L'argent n'est pas le problème. Je prendrai soin de la facture de l'hôpital. Non, tu sais, il y a trop de responsabilités qui sont ici. Je ne me plains pas. Hein? Montre à ton frère comment on joue le jeu. Vas-y, assieds-toi là-bas. Champion, regarde, va jouer avec lui. Hein? Vas-y, joue avec lui, ok? Ça va? Y a-t-il des hôtels aux alentours d'ici? Oui, je l'ai laissé juste au long de l'avenue. Ok, je crois qu'on devrait aller jeter un œil parce qu'il commence à se faire tard. Ok. Dis au revoir à tes frères et sœurs, d'accord? Je crois que nous pourrons revenir la voir un peu plus tard parce qu'il se fait vraiment tard. On reviendra le matin. Ok? Au revoir, prends soin de toi. Guéris très vite, ok? D'accord. Prends bien soin de toi. Merci. Tout ira mieux, d'accord? Mon mignon bébé, au revoir. Bye. Oui. Dis mon champion, tu sais pas? Les petits garçons. D'accord alors. À plus tard, prends soin de toi. Ok. Bye. Bye. Au revoir. Deux enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, il m'a dit qu'il a besoin que je sois ici. Je ne peux pas rentrer à la maison. D'autres choses vont encore se créer. Je te l'avais dit. Ok. Allô? Oui, ok. Envoyez-moi ça par mail. D'accord, merci. Ok, bye bye.
Hey. Tu es là. Ouais. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Je ne voulais pas déranger ton magnifique sommeil. Tu es venu ici très tôt. Mais pourtant, tu m'avais dit que tu viendras vers 11h. En fait, actuellement, je suis venu pour te parler. Je pense que tout va bien. Exact. Tout va parfaitement bien. J'ai parlé au cabinet à propos de toi et moi. J'étais au téléphone avec l'un d'eux juste avant que tu te réveilles. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Que je devrais t'épouser. Pourquoi? Non, attends, pourquoi pas? Je ne veux vraiment pas être loin de vous deux. Alors donne-moi une opportunité de rester proche de vous deux. Ça brise mon cœur terriblement de savoir que mon fils se trouve en ville et que je lui manque. Et que sa mère est très malade pour l'amener à moi. Oh Bina, je suis en train de mourir. La seule chose la plus importante pour moi, c'est mon nom. Et que tu sois dans une vie stable autant que tu le peux, même quand je te quitterai. Je ne veux pas seulement être dans sa vie, je veux être dans ta vie à toi également. Je veux briser la distance qu'il y a entre nous deux, et ça rien que pour toi. Tu as une place spéciale dans mon cœur. Non, ne pouvons pas. Chut, arrête de parler, je t'en prie. Toutes les fois où tu fais mention de lui, à chaque fois que nous parlons, ça me fait sentir comme si tu l'utilisais pour te défendre. Mais je... Chut, pas de mais. Donc tu ne ressens plus rien pour moi, n'est-ce pas? Cela ne vaut plus la peine. Je suis en train de mourir. Alors faisons bon usage de ces derniers jours. Pense-y, je t'en prie. As-tu mangé quelque chose depuis? Laisse-moi faire quelque chose pour toi. Non, je ne mange plus ce genre de choses. Pour le moment, je pense que je ne peux encore rien faire. Alors, qu'en est-il du lavage des dents et du bas? Lavage des dents ainsi que du bas. En tout cas, tout cela n'est plus nécessaire. Tu sais que je peux faire ça pour toi, n'est-ce pas? S'il te plaît, ta femme. Je t'ai dit de ne pas parler d'elle, n'est-ce pas? Et écoute-moi, la première fois que je t'ai revu encore, je voulais embrasser tes lèvres. Alors, cela veut dire que je n'ai pas l'air d'une personne qui est malade. Non, tu as l'air malade, bien sûr. Mais tu es toujours l'amour de ma vie. Comment vas-tu? Salut, Murphy. Comment vas-tu? Oh, tu l'as encore appelé pour venir. Bien sûr que oui. Comment vas-tu? Oui, je vais bien. Comment vas-tu? Est-ce que ça va? Oui. Il y a des infirmières qui viennent voir l'évolution de sa santé. Oui. Oui. Et tu as tes obas? Je lui ai proposé de le faire, mais elle a dit non. Pourquoi? Laisse-moi lui demander. Pourquoi? Peu importe. Comment vas-tu, toi? Je les ai achetés pour toi. Est-ce que je t'ai manqué? Tout ceci. Bon garçon, je pense que je devrais partir maintenant. Il m'appelle déjà de l'hôtel. Oh, c'est la personne qui compte me créer des conflits. Bon, ça va tenir. Et ne me mêle pas dans vos affaires, s'il te plaît. Mon garçon, je te reverrai plus tard, ok? Ok. Papa, quand est-ce que tu as dit que tu vas revenir encore? Je reviendrai plus tard, d'accord? Veux-tu venir avec Ikenna? Oui, je reviendrai avec Ikenna. D'accord, babe. Je te reverrai, ok? Ok. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ne me dis pas que je suis sur le point de pleurer. Non. Regarde notre fils, chérie. Ne pleure pas, sinon il se mettrait lui aussi à pleurer. D'accord? Tu peux me faire un bisou du front? Ok.
Bien, Bossy, s'il te plaît, s'il y a quelqu'un qui veut les chanter, fais-moi savoir. Je le ferai. Et si l'argent n'est pas suffisant, appelle-moi. Ok, je t'en merci. Ok? Très bien. Prenez bien soin de vous. Ok, bye. Et surtout, n'ose pas me dire quelque chose. Je ne dirai rien. Il m'a embrassée. Je l'ai remarqué de par ta voix. Mais on en parlera plus tard. En passant, je t'ai acheté à manger. Je sais que je n'arrive plus à manger tout seul. Je sais. Je sais, mais tu dois te reposer. Ok. Permets-moi de prendre ton marché. Oh, attends, j'appelle l'infirmière, elle m'aidera à bouger ceci. Pour que tu aies des lavettes, d'accord? Oui, j'ai envoyé le document à partir de WhatsApp. Oui, Bossen va le lire et te l'expliquer. Notre fils doit passer par l'initiation, un genre de passage pour qu'il devienne mon propre fils. Oui, bien sûr, c'est sans danger, t'en fais pas. Oui, 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 oui. Et aussi parce que c'est requis de tout garçon né d'une femme qui n'a pas été à côté d'un homme. C'est au fait de ça qui est requis. Je veux également que vous deux, je veux que tous les deux puissiez être avec moi le plus tôt que possible. Alors, il doit rejoindre la prochaine secte. L'initiation va commencer dans quelques semaines. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Comment vous allez là-bas aujourd'hui? Est-ce que je vous manque? Ça, c'est bien. Parce que si vous, moi, je vous manquais, j'allais me mettre en route pour venir là maintenant. Vous manquez encore plus. Mais t'en fais pas, je passerai bientôt. Ok, je dois partir maintenant. Salut notre fils et je t'en prie, guéris vite pour nous, ok? Alors, que penses-tu à propos de l'initiation? Je ne sais vraiment pas ce que je pense pour cela, mais Obina m'avait dit que je ne devrais pas m'inquiéter à propos de quelque chose. Il avait dit que cela ne cause pas s'il possède de la sorte. Et il a accepté d'amener l'enfant avec lui pour l'initiation. Et il dit que sa femme n'est pas de ce village. Et depuis lors, je n'arrive pas à comprendre ce genre de règles et stratégies. C'est normal que je ne sois pas sa femme. Et Dieu seul sait pourquoi c'est arrivé ainsi. Et il nous a menés pour arriver jusqu'à là. Je sais, pour l'initiation, il doit vraiment comprendre qu'il est vraiment son fils. Je ne peux pas être là en train de penser à propos de cela. Eh bien, si tu me le demandes, je peux dire que tu peux finalement l'épouser. Ok, il est roi et il peut épouser toutes les femmes qu'il veut. Toutes ces genres de choses commencent déjà à me prendre la tête. Ma belle. Toi et moi savons que je ne serai pas ici longtemps. Au moins quand on verra, très tôt, on commence à marcher sur moi. Dolcine, tu n'iras nulle part. Ok, je crois que tu vas te rétablir. J'aime ta façon de croire. Je veux que tu me promettes quelque chose. Promets-moi que tu continueras toujours à aller voir Obi quand tu auras le temps. Dolcine, tu n'iras nulle part. Tu vas bientôt te rétablir. Et tu prendras soin de ton fils toi-même. Bossy, s'il te plaît, je veux que tu me le promettes. Au moins, je sais que tu viens toujours ici pour le voir.
s'il te plaît. Je te le promets. Bien. Ok, pourrions-nous arrêter de parler de ça, s'il te plaît? Ce n'est vraiment pas confortable. Tu parais sincère quand tu pleures. Salut! Salut. Salut. Je vais bien, je vais bien. Comment allez-vous, les filles? Comment vas-tu? Je vais bien. Qu'est-ce qui t'est amené ici? Tu nous as pas dit que tu venais, tu nous as même pas appelé. Tu sais... Je ne sais pas comment évolue le royaume. Je ne sais pas si tu comptes voyager pour le moment avec tous tes gardes. On est dans le temps moderne, c'est normal que... Les choses changent de nos jours. À plusieurs fois. Et mon fils est sur le point de subir un rituel. Une initiation. Cela est très vital pour le futur de notre fils. Comment vas-tu? Bien. Je tiens le coup. Alors dis-moi, pourquoi tu es ici? Pourquoi tu es venu? Je suis venu te voir. Pourquoi? Ai-je besoin d'une raison pour venir jusqu'ici te voir? C'est juste à cause de ça que tu es venu. Écoute-moi, premièrement, tu es malade et tu es hospitalisé. Et en second lieu, tu es la mère de mon enfant. J'étais en train de réfléchir sur toi à propos de nous actuellement et j'ai parlé à ma femme et à mon membre du cabinet à propos de ça. Je veux t'épouser. Je pourrais t'avoir, toi et mon fils, auprès de moi. Arrête un peu de penser à rester ici tout seul, ok? Je t'en prie, pense un peu à la vie là-dehors. Comment, vous êtes ici? Oh non, 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 ça va. Je dois voir l'infirmière, hein? Je veux... Ok. Comment va ta maman? Elle va bien. Bien, j'ai demandé parce que tu sais que tes parents sont la raison pour laquelle nous sommes dans cette situation. Ton père n'est plus vivant, mais ta maman, je ne sais pas si elle a changé d'avis. Eh bien, je ne pense pas qu'elle sera contre, mais je vais lui expliquer, ok? J'aurais aimé que tu lui fasses comprendre et laisser là des années passées. Tu sais, nous devons essayer de comprendre maintenant que peu importe ce qui arrive, peut-être que tout ça c'est pour nous prouver que ça devait arriver. Et maintenant que notre fils est de la partie, les choses ont vraiment changé. Alors si elle n'a pas encore changé d'avis, si elle te disait que prends ton fils et laisse-la tranquille. Ah ben elle devra me laisser tranquille. Toi, sinon, perds du temps avec ça. Vas-tu m'épouser? Tu sais, les années passées, j'allais immédiatement te donner la réponse. Mais les années sont passées et les choses ont toutes changé. Je suis ici, mais je ne vais pas bien. Et tu vas sérieusement réfléchir sur ça? J'aimerais bien le faire, mais... Chut, vas-tu réfléchir sur ça? Désolée. Vas-tu réfléchir sur ça? Je te demande encore. Quand est-ce que notre fils passera à l'initiation? Donc, la raison pour laquelle je vous ai appelé ici... C'est pour l'initiation de mon fils. Je sais bien que sa mère n'est pas de notre milieu. Je ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin de votre aide, de votre soutien. Alors je veux que vous m'accompagniez parce qu'il est ma chair, il est mon sang.
et il est aussi l'un de l'autre. J'apprécierai et je serai très reconnaissant parce que je suis votre fils. Et je crois vraiment que vous me soutiendrez. Alors, puisque vous êtes tous en train d'aller pour la procédure d'initiation, vous irez tous en paix et retournerez en paix. D'accord? Très bien. Allez, allons-y. Thank you.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Salut, Chisom. Comment tu vas? Je vais bien, mais je me sens vraiment très faible. Vraiment, vraiment faible. As-tu pris tes médicaments? Oui, l'infirmière me l'avait donné. Il y a un traitement que nous devons l'administrer, mais avant, nous devons faire un examen pour nous rassurer si son organisme saura le supporter. Ok, c'est parfait. Seulement, c'est coûteux. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Ok, commençons alors dans ce cas. Ouvre ta bouche. Sois apaisée. Ça va me faire trop mal. Ça va aller. N'aie pas peur. Coupe-moi un peu de coton. Désolée. Ah. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, c'est bon. Tout est fait. Je crois que je te verrai après les résultats des examens. D'accord? Tu vas aller mieux, ne te dérange pas. Hein? Est-ce qu'il vous faut acheter quelque chose? Ok, bien, c'est comme je te l'ai dit. Tu auras
la facture juste D'accord. après les résultats des examens. Avec l'argent qui me reste. S'il te plaît, va voir mon chauffeur, il a mis quelques contacts. Demande-lui de prendre l'argent dedans. Ça va? Ça ira, hein? D'accord? À plus tard. T'en fais pas, chérie. Ça va aller, ok? Ok, je l'espère bien. Non, ça va aller. Tu iras bien. Ok? Ok. Merci beaucoup. Merci. J'apprécie vraiment que tu sois là. Pour combien de temps que tu espères rester comme ça? Comment? Tu n'as pas de S'il te plaît, comment vais-je me marier? Et qui prendra soin de toi? Ou qui prendra soin de la maison de maman Jimon? Je suis servante. Prenons l'exemple de Mike qui me demandait de choisir entre toi et lui. Raison pour laquelle tu m'avais dit que ta relation amoureuse a été interrompue. C'est la même chose, c'était interrompue. Non, ce n'est pas. Va voir ton homme. Tu sais, il sera heureuse quand tu vas lui dire comment tu étais occupée en prenant soin de moi. Eh bien, c'est de ce genre de relation que nous parlons. Qu'il a dit. C'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Et je ne m'inquiète même pas pour ça. Ah! Oh mon bébé. Dis bonjour à ta maman. Tu es enfin là. Bon garçon. Maman, es-tu tombée malade parce que je me suis éloignée de toi? Allez, champion, arrête de stresser ta mère, ok? Je vais bien. Alors, dis-moi, comment ça a été? C'était bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été très drôle. C'était drôle, maman. Ok. Tu as l'air différent. Obina, qu'est-ce qu'ils ont fait à mon fils? Rien du tout, t'en fais pas. Champion, tu ne l'as pas dit. Quel est ton nouveau nom, Igbo? Oh, j'ai oublié. Mon nom Igbo est Ogona. Waouh. Et tu sais ce qui signifie Ogona? Oui, la gloire du Père. Je vois qu'il y a des gens qui ont besoin de se parler. Oui, alors, il a l'air très content d'avoir ce nouveau nom. Ok. Oui. Je pense que nous devons partir parce que tu as besoin de te reposer. On se voit demain, ok? Ok. Ah, Obina, fais-moi plaisir de le suivre pour que tu te laves un peu. J'irai avec eux, comme ça je vais bien pouvoir prendre soin d'eux. Tu sais qu'on n'a pas encore eu le temps de parler de père à fils. Tu veux commencer une conversation maintenant? Peut-être la prochaine fois. S'il te plaît, va avec ton fils et prends soin d'eux. Bébé, tu vas dormir avec ton père dans ma chambre, n'est-ce pas? Je veux passer le restant de mes jours avec vous. Je veux dire, mon fils et toi êtes passés par beaucoup de choses. Merci, mais tu peux faire ceci pour moi. Si tu peux avec ton fils et prends soin de lui, je t'en prie. Bébé, dors avec ton père dans ma chambre aujourd'hui. Parce que vous avez aussi à vous dire tout. D'accord, voilà. Maman. D'accord. Au revoir. D'accord. Aïe. Voilà, tu peux faire quelque chose avec ton père. Tu m'as appelé, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime. Tu sais si ça faisait combien de temps que j'attendais que tu me dises ces mots? Je t'aime aussi. Merci.
Prends très bien soin de mon très fils. S'il te plaît, je t'en supplie. Ça va aller. Dors bien, ok? Ok. Tu veux me faire rire, n'est-ce pas? Petit prince. Donc tu veux me faire rire, n'est-ce pas? Petit prince. Alors? Papa. Tante Rosé a dit qu'il arrivera quelque chose demain. Qu'est-ce qui arrivera demain? Alors, tante Rosé dit... Je sais de quel bossé tu parles. Bébé, demande à papa ce qui va se passer demain. Qu'est-ce qui est sur le point d'arriver demain? Ok, je vais finalement épouser ta mère dès demain, mon fils. Donc tu vas la marier demain? Je vais simplement lui demander. Elle doit d'abord accepter. Je connais ma mère, elle va accepter. Oh. Ok, dans ce cas, tantine Bosse a raison. Demain, on va se marier. Bien. Pourrions-nous aller à la maison? Grand homme. Ok, relax. Mon roi, je suis préoccupée par ces problèmes qui vous troublent. Ce n'est pas bon pour vous et pour votre royaume. Pourquoi ne pas les ramener à la maison? Oui, vous voyagez toute la semaine, vous faites des allers-retours. Ce n'est pas du tout bon. Pourquoi pas la marier et la ramener à la maison? Oui, vous avez mon soutien. Dors bien, mon cher fils. Demain, on ira épouser ta mère. Demain, on va le faire, d'accord? Allez, viens,
portable. Ton téléphone, ça. T'en fais pas, ce n'est pas important. Non, tu peux laisser, je vais aller répondre. Ok. Alors, champion, dis-moi, est-ce que ça va? Ça va, toi? Allez, vas-y, frappe là. Allez, vas-y, cogne. Allô? Non, non, pas comme ça. Attends, attends, je vais te montrer. Oh mon Dieu. Quoi? Papa, je comprends la mort. Je sais que maman ne reviendra pas. J'aurais aimé qu'elle reste longtemps. Je gardais cet anneau pour les jours où on allait se marier. Je n'ai jamais eu la chance de lui passer ça au toi. Je pense que nous allons la voir. Afin qu'elle le mette au moins, ne serait-ce que pour une dernière fois.
Elle va me manquer aussi, Maniga. Écoute-moi. Je suis content que nous nous soyons connus. Au moins, c'était sa dernière volonté. This is gonna take me a while to know that you won't be by my side. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. By my side, that I won't see your face for a while. I know that you're in a better place. I know that I won't see your face again. I know you're smiling down on me, saying everything's okay. I know the journey's far from here, but one day we will meet again. After everything we've been through, now you're just a memory. I will remember, 'cause your face is stuck in my heart. I will remember, you're a part of me. I won't forget. I will remember, 'cause your face is stuck in my heart. I will remember, you're a part of me. I won't forget. This is gonna take me a while to know that you won't be by my side, that I won't see your face for a while. I know that you're in a better place. I know that I won't see your face again. I know you're smiling.